Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Problème du week-end numéro 16.43. Un jeu à deux commence avec le nombre 0. A chaque tour, la personne qui joue peut ajouter au nombre un nombre de son choix, compris entre 1 et 9. Le joueur qui arrive à 100 gagne le jeu. Déterminer quel joueur peut avoir une stratégie gagnante. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour résoudre ce problème. Alors en fait, ce jeu va se jouer par phase. Et cette phase, en fait, c'est pour atteindre une dizaine à l'autre. Donc le joueur 1 commence, il va prendre un nombre entre 1 et 9. Et bien le joueur 2, pour arriver à une dizaine, donc première dizaine 10, eh bien il va prendre 10 moins x1. Ce qui fait donc, si on fait un schéma de jeu, donc ici 10, 20, 30, etc., etc. Le joueur 1 va prendre un nombre entre 1 et 9. Donc il va jouer par exemple ici, x1. Eh bien, le joueur 2 n'aura qu'à prendre 10 moins x1. Ensuite, le joueur 2 va prendre un nombre entre 1 et 9, donc il sera entre 10 et 20, x2. Et le joueur 2 va prendre donc un nombre entre 10 moins x2, etc., etc. Donc là, il va prendre x3, et ici, on aura 10 moins x3. Alors, bien entendu, pourquoi il faut prendre 10 moins x1 ? Parce que si on fait x1 plus 10 moins x1, on va trouver toujours 10. Donc en ajoutant k fois 10, donc en jouant plusieurs tours, on va arriver, le joueur 2 va toujours arriver aux dizaines. Jusqu'à arriver à 90, et donc le jeu se termine à 100. Donc le joueur 1 va prendre un nombre x10. Eh bien le joueur 2 n'aura qu'à prendre 10 moins x10. Et donc le joueur 2 aura gagné. Donc, conclusion de ce problème. Le joueur 2 peut avoir une stratégie gagnante. Il doit jouer, pour cela, il doit jouer le complémentaire de ce qu'a joué le joueur 1 au tour précédent. Donc quand on dit complémentaire, je parle de la quantité 10 moins x1. Donc ça, on appelle ça le complémentaire de x1 dans l'ensemble des chiffres, donc 1, 9. Bien voilà pour la résolution de ce problème. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.